Consommation d'acide folique pendant la grossesse. Découvrez comment ingérer davantage d'acide folique pendant la grossesse. Bien évidemment, consultez votre médecin à ce sujet avant de modifier vos habitudes. La consommation d'acide folique pendant la grossesse est extrêmement importante pour le développement correct du bébé. En effet, les médecins recommandent généralement d'en ingérer dès que vous essayez de tomber enceinte. Mais pourquoi l'acide folique est-il si important pour la croissance saine du fœtus L'acide folique, autrement appelé vitamine B9, folate ou folacine, aide à prévenir les anomalies du tube neural, en particulier chez le bébé. Avant et pendant la grossesse, il est conseillé de consommer 400 mg d'acide folique par jour afin que les organes et les tissus du bébé se forment normalement. Dans cet article, Voyons comment vous pouvez augmenter la consommation d'acide folique pendant la grossesse. Consommation d'acide folique pendant la grossesse. Comme nous l'avons déjà souligné, l'ingestion quotidienne des doses adéquates de vitamine B9 aidera à prévenir des malformations congénitales qui affectent la colonne vertébrale, la moelle épinière ou le cerveau du bébé. Parmi elles, les plus courantes sont Spina bifida, une affection dans le cadre de laquelle la colonne vertébrale du fœtus ne se ferme pas complètement. Cela entraîne généralement des lésions nerveuses ainsi qu'une légère paralysie des jambes anencéphalie, un défaut qui ne permet pas le développement correct du crâne et du cerveau. Cette condition est associée aux morts nés et aux décès après la naissance malformation de Chiari, elles se produisent lorsque le tissu cérébral s'étend dans le canal rachidien. Il s'agit de malformations dans la structure du cervelet la partie du cerveau qui gère l'équilibre. Les dommages peuvent être petits ou plus importants et affecter plus ou moins largement la vie du bébé. Par ailleurs, la consommation d'acide folique est également bonne pour vous. En effet, elle vous aidera à décomposer et utiliser de nouvelles protéines et à prévenir l'anémie gestationnelle. Comment augmenter la consommation de folate Maintenant que vous savez clairement pourquoi il est primordial de ne pas souffrir d'un manque d'acide folique pendant la grossesse, voyons de quelle manière vous pouvez augmenter sa consommation. 1. Prendre des compléments d'acide folique. Comme nous l'avons précisé au début de l'article, les spécialistes recommandent de compléter l'alimentation avec des suppléments d'acide folique. En effet, si vous avez consulté un gynécologue avant le début de la grossesse, il vous aura certainement recommandé de prendre des compléments trois mois avant de tomber enceinte. Un conseil. Prenez l'acide folique à la même heure chaque jour. Suivre une routine est généralement le meilleur moyen de ne pas oublier. Une autre idée. Utilisez l'alarme de votre téléphone pour avoir un rappel. 2. Consommez des fruits et des légumes contenant de l'acide folique. Il est essentiel d'inclure différents fruits et légumes riches en vitamine B9 dans votre alimentation pendant la grossesse. Pour cela, mangez tous les jours entre 4 et 5 portions d'œufs, bétacarde 140 microgrammes, sangé, épinards, 140 microgrammes, sangé, brocoli, 90 microgrammes, sangé, laitue, 34 microgrammes, sangé, asperges, 30 microgrammes, sangé, tomates. 28 microgrammes, 100 g, céleri, 12 microgrammes, 100 g, avocat, 11 microgrammes, 100 g, carotte, 10 microgrammes, 100 g, courge, 10 microgrammes, 100 g, fruits citriques tels que les fraises, les kiwis, les oranges, les framboises et les papayes. 3. Manger des légumineuses chaque semaine. Les légumineuses constituent la principale source de protéines d'origine végétale et sont également riches en acides foliques et en fibres. Cela est fondamental pour prévenir la constipation pendant la grossesse. Vous pouvez cuisiner toutes sortes de plats, ainsi que des salades avec les légumineuses. 4. Ajoutez des fruits secs et des graines au plat. Les fruits secs et les graines sont excellents pour offrir une touche croustillante au yaourt, au gâteau ou au pain. Vous pouvez également les utiliser dans vos salades, ou comme snacks sains. Ces aliments fournissent de bonnes quantités d'acide folique, ainsi que des graisses saines à base d'oméga-3. 5. Achetez des aliments enrichis. Si vous avez besoin d'augmenter votre consommation d'acide folique pendant la grossesse, optez pour des farines, du riz, des pâtes et des céréales enrichies. Lisez les étiquettes d'emballage pour vérifier leur pourcentage. Comme vous pouvez le constater, L'ingestion d'acide folique pendant la grossesse est d'une importance vitale pour vous et le bébé. Il est préférable de consulter un médecin avant de tomber enceinte. Ensuite, suivez les conseils du spécialiste, car personne ne sait mieux que lui comment prendre soin de vous et de votre enfant.